Allô, bonjour, bonsoir. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici le Maestro Don Arexo. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une très belle semaine de votre côté. J'espère que vous allez bien. En tout cas, vous êtes chaud, vous êtes motivé, vous faites du sport, vous faites quelque chose. Bon, là, il fait un peu plus frais, hein. Là, ça y est, c'est fini les grosses chaleurs, là. C'est terminé, c'était avant. Ça va rebaisser un petit peu du coup la température. Mais je vois, il pleut à moitié dehors donc c'est chaud. J'espère que vous allez bien et salut du coup Matt Ingames, le premier parmi nous. Matt Ingames qui a fait du Valorant il y a pas longtemps, j'ai vu, mais j'étais pas là sur ma fameux live. J'ai vu ça. Il va m'engueuler, mais je vais lui faire un SO. Hein, pas d'SO. Bah, je fais un SO. Voilà, y a pas de plainte. Y a quoi? Les grosses chaleurs, pas fini chez moi. Bah, bon courage un matin. Moi, c'est fini. Enfin, c'est fini. C'est calmé en tout cas. Donc n'hésitez pas à aller voir Matin Game si vous connaissez pas, je lui fais un SO, même s'il va prendre bientôt sa pause, une grosse pause Twitch. N'hésitez pas à lui donner du love, au moins pour ces derniers jours, donner du soutien. Il est très content de finir son live avec beaucoup de personnes, super agréable et super sympa. Donc n'hésitez pas à lui donner du love à Matt. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes chaud, motivé, en forme là, tout ça. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du Bloodborne et du Zelda, je pense. Bon, Zelda, je sais pas trop ce qu'on peut faire pour avancer. Si, on avait avancé, si, je suis con. Oui, on avait trouvé. On avait validé une cana et tout, on avait trouvé même des morts vivants et tout. Donc, alors, du coup, on va parler du planning d'aujourd'hui et de demain, parce que je vais faire aussi un live demain, je pense, comme je reste chez moi tout le week-end. Enfin, je bouge pas quasiment pas, quoi. Demain, je vais faire Minecraft Dungeons, Matt. Je vais le finir demain, je crois. Même si tu es là ou pas là, moi, je le finis demain, dans la journée, je vais le finir. Donc au plaisir de finir, et puis peut-être si derrière je suis chaud, je ferai du Fallout Shelters, je pense. Oh Eric, coucou Eric, énorme love à Eric, ça fait plaisir de te voir, ça fait un moment que je t'ai pas vu mon cher Eric, comment tu vas? Comment se passe ta semaine? Dis-moi tout. Coucou, la coucou à toi. J'espère que tu vas bien Eric. Yop Eric, exactement, yop Eric, j'espère qu'il va bien celui-ci. Bah, ça va super Eric, ça va et toi? Bah, ça va super, écoute hein. Une petite douleur là au torse hier et tout là, mais là elle est quasiment plus là. Là j'ai une petite douleur à la nuque en me levant, une petite douleur au bras, oui, maintenant en fait des douleurs partout aujourd'hui, mais voilà, c'est temporaire. Et puis j'avais mal à ma main il y a une petite heure de ça, hein. Dites-vous, j'ai failli dire oh bon, on fait pas de live ou quoi, hein. Non, c'est bon, ça va mieux, on va dire que ça va mieux, c'est nickel. Bon, du coup, je vais parler du planning, les amis, et après je vous mets le jeu, etc. Donc aujourd'hui, on fait de la Bloodborne jusqu'à 16h30 à peu près. Après, on fait un peu de Zelda Majora's Mask aussi. On verra, sauf qu'on arrête entre 18h et 19h, on verra. Pas trop. Non, entre 18h et 18h30, maximum, parce qu'il faut que j'aille au magasin, après il y aura trop de monde. 19h, c'est chaud. Faut que j'aille avant 19h, après c'est le bordel. Donc, du coup, j'espère que vous allez bien, les amis. Désolé, hein, on n'a pas fait beaucoup de streams cette semaine, on en a annulé même. Des live bonus, on en a annulé deux. Du coup, on a eu celui de mardi, celui de vendredi. J'avoue que c'était pas la semaine, c'est la semaine la plus chiante de l'année en termes de problèmes de dos, machin, bras, etc. J'ai pas eu de chance cette semaine, ça aurait pu arriver parce que c'était voilà, des mauvais gestes qui ont fait que j'ai mal au dos, tout ça. Hein. Maintenant je fais attention et tout. Voilà, c'est comme ça. Faire attention les gars. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc la semaine prochaine, on fera quoi la semaine prochaine? On fera pas Ratchet & Clank par contre. Ah si, quoique. Si on fera peut-être du Ratchet & Clank, je vais réfléchir. Je vais réfléchir, j'aurais bien attendu le début du mois, mais je pense qu'on va le faire la semaine prochaine, je sais pas. On va essayer de finir Zelda la semaine prochaine. On va faire tout pour finir Zelda la semaine prochaine, tu trouveras un moyen de le finir, je sais pas. Pour finir le jeu Zelda Majora's Mask. Comme ça, on aura plus que David 2K à finir dans les jeux à finir. Et puis on pourra faire après Bloodborne, Ratchet & Clank et peut-être. Peut-être Mafia, justement, comme ça au moins. Ou Pokémon. Pokémon. Bon, on aura déjà trois jeux en cours et puis on interchangera un chaque semaine. Je pense qu'on fera un truc de ce genre, tu vois. Enfin, vous voyez plutôt. On essaiera de faire un interchangement de jeux, etc. Bon, allez, du coup, je vais mettre le jeu. Mettre le jeu. Ah, mais attendez, non. Attendez, non. Voilà, vous voyez, j'ai pas fait les choses comme il fallait. Non, je peux pas mettre le jeu. Parce que j'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié de mettre la connexion internet sur mon téléphone à la console. Du coup. Je pourrais pas démarrer Bloodborne, ouais, bah ouais, je suis obligé, attendez. Je suis juste ce réglage là et on démarre le jeu. Oui, donc du coup, il y a les modes NDR, je sais pas si je vais plus vous en parler entre temps. Donc, il y a les modes NDR que NordVPN a fait.
maintenant. En tier 2, je l'ai mis pour l'instant. Il y a les modes Rayman qui étaient remis à niveau. Regardez, elle est plus. Il y a moins de problèmes dessus. Vous avez vu, elle est remis à jour. C'est NordV aussi qui l'a remis à niveau. Donc les modes Rayman, elle est en 2.0. Donc vous avez tous les modes Smile. Les emotes, on commence à en avoir. Je sais pas quand NordV va avoir un moment d'indisponibilité pour les emotes. Je vais voir quand c'est. Et puis je vais reposer la question de. D'ailleurs, j'ai oublié de faire un truc. Hop. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. J'ai oublié de faire un truc. Donc, du coup, les amis, aujourd'hui, Bloodborne, on va lancer le jeu. On va lancer la connexion internet, on va lancer le jeu. Je vais vous mettre l'image, comme d'habitude, etc. Et puis après, ben, on va continuer. On avait farmé la dernière fois, on avait quand même monté pas mal de level. On était level 52, 53, je sais plus trop. Et puis on a même rencontré un gars incroyable en casse-couille. Je me rappelais plus le gars là, que j'ai frappé sans faire exprès avec sa sorte d'arme à roue dentée là. Une roue un peu avec des dents, ouais, c'était un peu un boss un peu casse-couille. J'espère qu'on va pas le rencontrer de nouveau celui-là parce qu'il casse vraiment les couilles de ouf. Bon, on va se préparer à aller sur le jeu. Bon Matt, qu'est-ce que t'as fait de beau ces derniers jours? Et toi Eric, qu'est-ce que vous avez fait de beau de ces derniers jours? Dites-moi tous les gars. Dites-moi tout, n'hésitez pas à me dire ouais j'ai rien fait, si vous avez rien fait. Ça va me dire ouais j'ai joué à un jeu vidéo, j'ai geeké, j'ai fait je sais pas, j'ai aidé ma famille, rien du tout Eric, bah incroyable. Ah bah c'était une semaine gâteuse alors pour toi, c'était une semaine un peu ennuyante, c'est ça. À part farm sur les jeux, bah si c'est déjà pas mal farm sur les jeux, t'as fait quelque chose. C'est-à-dire t'as quand même touché à un truc, tu vois dans la journée d'une semaine, t'as joué à t'es geeké, t'as monté peut-être du farming, etc. Ça c'est pas mal hein, c'est déjà beaucoup hein. Tu sais, ça veut dire qu'il fait chaud qu'on va toujours être dehors à faire du sport ou quoi. Bah tu es sûrement parti pêcher et je sais pas, il est parti à la mer, on sait rien, Matt, tu dis, tu vas profiter du soleil à mon avis. S'il fait chaud par chez Matt, hein. L'été il fait chaud. Hein. Parce que je vois Matt à chaque fois il est là avec ses bouteilles d'eau, t'en prends 4 d'affilée en live là, en 2 heures de live. En dehors d'être passé platine sur Valorant. Oh mais c'est pas mal, mais c'est pas mal. Mais j'ai un GG pour Matt, faites un petit GG pour Matt, attendez. Est-ce que j'ai pas une mode GG là, d'un ami streamer pas loin là? Hop, quelqu'un qui est une mode GG là que je peux la mettre. Hop, petite mode GG, y'en a pas là. Ah si, c'est des Crimari, hop, regardez. Mettre le mode de Crimari, tiens, hop, GG. Le GG de Crimari, voilà, le GG de Faror. Voilà, GG à toi, Matt. GG d'être passé platine. Alors attendez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vous mette la scène déjà. Et salut à tous, du coup, c'est le Don Alex. J'espère que vous allez autour bien depuis avant-hier, parce que c'était vu avant-hier, jeudi soir. Une petite heure et demie, on s'était vu, rappelez-vous. Bon les amis, nous on va partir sur Bloodborne. Non, on n'a pas le jeu, normal, attendez, parce que je crois que je l'ai pas affiché. Enfin si je l'ai affiché, mais il faut relancer. Ok, est-ce qu'on entend le son du jeu? Oui, nickel, j'entends le son du jeu depuis mon PC. Ça c'est pas mal. Hop, le son du jeu il est déjà fort, purée, dalle. J'entends pas si fort que ça moi en fait. Bon, c'est pas grave, ça suffira. Ça suffira pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, ok. Bon. Continuez, bien sûr, continuez. On continue l'aventure de la dernière fois. Donc j'ai pas changé le titre quasiment, j'ai juste rajouté qu'on a affronté le boss. Parce que c'était le même titre que lors du dernier live, rappelez-vous. De jeudi, on avait mis Go farmer le sang, c'était le dernier live qu'on avait fait, c'était du Bloodborne. On re-enchaîne derrière sur du Bloodborne. Puis on finira sur du Zelda. Et puis demain, on fera Fallout Shelter et Minecraft Dungeons, on finira le jeu. Tu vas farmer un peu ce soir Minecraft Dungeons pour être sûr de gagner demain, quoi, de finir le jeu demain. Je ferai une ou deux games de farm ce soir, je pense, avant d'aller dodo ou quoi. Bon du coup, on n'a plus rien, on n'a plus de sous, on est level combien, tiens, c'est ça que je veux savoir, on est level combien, madame? Canaliser des échos de sang, yes. Très bien, laissez-moi. Nous sommes level 52, voilà donc ce que j'avais dit tout à l'heure, on était level 52. Adieu, brave. Adieu madame, alors attendez, moi ce que je veux c'est, bois interdit, hop. On a le raccourci maintenant avec l'ascenseur et tout. On va aller voir s'il n'y a pas un boss. Rappelez-vous, on a trouvé des petites grottes, là, des petits lieux de grottes, etc. On va aller fouiller ça, tiens. Ah, merci, ben de rien, Matt. De rien. J'ai pas pu voir ça, tu vois, je suis dégoûté, j'ai pas pu voir ton moment où tu as platiné. Si tu vois, tu l'as fait en live ou quoi, mais. Et en tout cas, j'ai pas pu voir ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Est-ce que vous entendez bien ma voix? Est-ce que je dois me rapprocher? Est-ce que vous entendez bien le son du jeu? Est-ce que y a des soucis de son? Dites-le moi les gars. Vous savez que je préfère quand on me dit tout. Je ne cache rien. Oh là, attendez, alors lui, wow, il est chaud là. Ah ouais. Oh. Oh mais c'est un combat intéressant ça. Donc,
Waouh. Waouh. Le jeu est un peu trop fort, mais ça voit nickel. Ah ouais, il est fort le jeu. Putain, les gars, le jeu est fort, moi. J'entends pas du tout le jeu. Je vais remonter sur mon bureau alors. Ok, c'est bon, je l'ai baissé pour vous. Hein. Si vous l'entendez encore trop fort, ben, je le baisse encore. Et puis il remonte de mon côté sur le bureau. Et c'est vrai, si j'ai le son de l'alerte, ça me tue la oreille. Hors live, j'ai fait hors 3 hors live. Ah, de rien, Eric, bah de rien, c'était le but, c'était savoir ce qu'il y avait, ce qu'il n'y avait pas. Alors attendez, celui-là est plus fort que celui qu'on a affronté juste avant là. Est-ce qu'il peut se suicider, vous pensez, lui, j'essaie de le faire suicider comme l'autre. Viens voir. Viens voir, hop. Allez, rentre. Voilà. Il faut qu'il suicide. Il faut qu'il suicide et qu'on prenne l'ascenseur avant lui. Go! Yes! Et ben voilà! Il suicide! Et oui, le son du jeu est un peu fort. Là, il est encore fort, là, le son du jeu! Vous êtes sérieux, les gars? Il est encore fort, là, ou c'est bon? Non, il est pas fort, là, le son du jeu, c'est pas possible, les gars, il est tout en bas. Putain, c'est tout ou rien, hein. Ah non, c'est bon, ok, merci. Putain, c'est tout ou rien de OBS, hein, des fois, les gars. Incroyable! Des fois, le son est trop fort, des fois, il est pas assez fort. Alors, attendez, on vient d'où, nous? On vient de là, hein. Non, on vient pas de là, on n'a pas fouillé le corps qui est là. Je comprends plus rien. Non, ici c'est un cul-de-sac. Hein. Ok, fragment. Hop, il y a un PNJ avec des tentacules qui est là. Là. J'hésite à faire des point and click un jour en live aussi. Tiens. Parce que quand je vois l'ami Coquille qui fait des point and click, je voudrais faire des point and click mais que personne ne fait en fait. Mais tout le monde les fait de toute façon. Il y a au moins quelqu'un qui joue au même jeu que nous à l'heure actuelle. Tous les jeux, s'ils sont sortis, c'est au moins quelqu'un qui a été intéressé par le jeu. Ils ont pas fait, c'est rare qu'ils font des jeux à la Wolligan sans qu'il y ait quelqu'un qui joue à l'heure actuelle. Genre que je pense que tous les jeux qui sont sortis, au moins quelqu'un sur le jeu actuel. Enfin, quoique Buzz Quiz TV, là, c'est rare quoi. Qu'il y ait quelqu'un qui tue à l'heure actuelle. Je pense que ça marche plus trop les Buzz Quiz TV là. Attends, il y a un truc là. J'essaie de ne pas louper les objets à récupérer. Il y a quoi là ici? Oh, il y a des tentacules. On va éviter de prendre des dégâts de tentacules, ça pourrait faire mal quand même, grave. Ça pourrait nous faire très très mal. Regardez, il y en a partout là. Ah oui, d'accord, c'est devenu poison. Ok, il a fait de les tuer. Je l'ai fait bien de les tuer. Et voilà, il m'a tué, cet enfoiré. C'est pas grave, on va retourner. On n'a rien loupé, de toute façon, on a juste perdu quelques secondes du jeu. On va. Bout de bam, vous connaissez, hein. On meurt, on revient, on meurt, on revient. C'est un peu une chaîne. Hein. Attends, on entend pas le son du bureau, ça c'est normal, alors on l'entend, ça c'est bon. C'est bon, tous les sons sont bons. Je regardais au cas où pour pas qu'on galérait. Non, tous les sons sont nickel, perfecto. Perfect, voilà. Hop, bon, ce qui est cool en tout cas, c'est que les emotes ils sont à jour déjà sur la chaîne. Donc là, il manque juste la tier 3, mais bon, comme il y a personne qui est tier 2 à l'heure actuelle, la tier 3 c'est pas le plus important. Bon, on en aura 4 emotes sur la chaîne, donc 2 tiers 1, 1 tiers 2, 1 tiers 3, on aura aussi. Après, on aura les améliorations dans les tiers en premier, je pense, que je demanderai à Nordé quand on aura plus de temps de libre en fin juillet, début août, quand on sera moins occupé. On demandera les tiers et puis les bases de la chaîne, peut-être, qui sait, je verrai avec elle. Je vais pas trop me lancer comme ça d'idées, mais c'est des idées quoi. Ça pourrait le faire. Donc après on a tout fait hein, sur ça, hein, sur les emotes. Les emotes ratiettes elles sont belles quand même. Elle a fait du très bon boulot, hein. Je les adore énormément. C'est mec qui regarde la vidéo, la rediff ou quoi. J'adore ce qu'elle a fait. Donc si jamais vous voyez NordV qui passerait sur le live les amis, si vous voyez NordV qui passe sur le live, donnez beaucoup de cœur à NordV. Vous inquiétez pas, vous allez la voir passer si elle est là. Vous n'allez pas la louper. Vous comprendrez pourquoi. Quand vous la verrez. Enfin, vous comprendrez pourquoi. C'est pas. Sans que je le dise, vous comprendrez quoi. Que c'est bien NordV. Puis vous donnez beaucoup de love, qui que ce soit qui est là. Si vous pouvez donner beaucoup de love, en tout cas, quand il y a NordV qui est sur le live, ça, c'est le retour que je peux lui faire pour ce qu'elle a fait comme boulot. Même si pour elle, c'est pas grand chose. Pour moi, c'est énorme. Mathieu, je pense que t'es d'accord avec moi, hein. Quand quelqu'un fait des emotes, c'est déjà énorme, hein. Ça fait grand plaisir.
Matt est streamer aussi, si vous connaissez pas Matt. Qui a peut-être faire une post Twitch, mais n'hésitez pas à donner du love à Matt. Voilà. Bon, c'est bien, il y a beaucoup de serpents là. Hein. Beaucoup de serpentards ici. Hein. Beaucoup de salazar, beaucoup de serpentards. Par contre, il faudrait que je récupère mes échos de sang que j'ai perdu là. Attendez. On fait le tour là de la zone, on récupère tout. Et après, on va aller chercher nos échos de sang qu'on vient de perdre. On est quand même 5000 quelque chose là. Si avec ces serpents on peut monter jusqu'à 20 000 ou quoi, et monter d'un level plus tard, ce serait cool. Voilà, hop. Là, je te donne pas d'objets les serpents là. Ça aurait pu valoir le coup quoi. Ok, on va éviter de se faire toucher une seconde fois, hein. Pour pas mourir. Il y en a beaucoup partout des serpents, il y en a partout, regardez. À chaque coin là, du jeu, il y en a des serpents. Il donne 300, je viens de voir, 300-400. C'est vrai qu'il donne pas grand chose. Attends, est-ce que là on est passé dans une zone un peu spéciale du jeu, j'ai l'impression. Il y avait la première partie où on avait beaucoup d'ennemis humains et tout, là il y avait beaucoup de serpents. Et d'hommes hommes tentacules. C'est juste incroyable. Attendez, est-ce que là je suis en train de me perdre, c'est incroyable. Je suis perdu dans le jeu. Ok, un cadavre. J'essaie de pas louper les cadavres à fouiller parce que... Ah, oh, bien joué. Oh, bien joué de sa part, les gars. Faut dire la vérité, c'est bien joué de sa part. Ok, c'est lui qui a mes échos. Ok, c'est lui qui a mes échos de sang. Ok, go. Ah, l'enfoiré. Moi, je les ai récupérés. Hop, on va se soigner, évidemment. On va attendre que la folie, elle descende. Sinon, je vais mourir comme un con. Donc, on va attendre que la folie, elle descende un petit peu, les gars. Dès qu'elle est à zéro, on l'attaque. Donc, regardez. Hop, voilà. Moi, on prend pas de risque. Et puis, il y a un viewer anglais qui passe des fois sur le live qui m'a donné un conseil d'ailleurs. Il m'avait dit que je devais faire ça, ça, ça et ça. Apparemment, ça faisait pas mal de dégâts quand je faisais ça. Donc, je vais essayer de suivre son conseil. C'est vu que le seul moment pour lui répondre que j'ai compris, c'est de le faire quand il est là. Ou le faire avec vous. Et puis moi, s'il passe, il voit que j'ai suivi son conseil. Et c'est peut-être un bon conseil parce que je l'avais essayé, ça me faisait quand même des dégâts. Mais avec le marteau, ça vaut pas le coup. Je crois que c'est avec la lame sacrée de Lunwig que ça fait pas mal de dégâts. Avec la lame sacrée de Lunwig, ça fait pas mal de dégâts quand même, je crois. Attendez. Quand même, fait de dégâts la lame sacrée de Lunwig. 150. Pour l'instant, le marteau est la meilleure arme de actuelle hein, sur le jeu qu'on a. Faut dire la vérité. Hein. Hop, voilà. Là, on esquive quand il nous attaque. Évitez de prendre des dégâts de folie. Voilà, évidemment. Ok, là, on va passer à 8000 bientôt. Attends, est-ce que je voudrais pas louper d'objets hein. Ce serait fort regrettable qu'on loupe des choses. On va fouiller vers là-bas. Tiens, on va aller fouiller le truc que j'avais vu là, tout à l'heure. Le petit chemin où j'avais vu un truc. Une sorte d'objet à ramasser, etc. Hop. Voilà. Ouh, juste je crois que j'allais crever là. Je vais vous mentir, je crois que j'allais crever. Ok, donc là il y a un chemin ici. Ok, un homme tentacule. Alors attendez, on va pas prendre de risque. Hop. Non. Oh, on a eu chaud les gars. Non. Oui, il est mort. Mais par contre, faut pas qu'on crève ici, ce serait con. Attends, j'attends que ma foulière redescende. Ok, je vais attendre un petit peu quand même. Ok, il n'y avait pas d'objet important hein, ici. Je pensais qu'il allait avoir un bon petit truc de ouf là, mais non, pas du tout. Rien du tout. C'est la baisse totale. Ici, à quoi? Ok, une prolongation de forêt. Avec quelque chose, une porte ou une grande stèle là. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce machin, les gars? On se le tente lui ou quoi? Waouh, le serpent qui crache du venin. Ah, je suis tombé. Bon, il y aura la photo plus tard. Ça va peut-être dire, Alex, prends pas de risque maintenant, c'est trop tôt. Ah, il y en a un autre en bas et tout. Ah oui, il y en a partout. Ah, alors, attendez, oula. Non, on est dans une zone un peu plus dure. Hein. On rigolera, on va un peu moins rigoler, je pense, à partir de maintenant, les gars. Ah, il y en a partout. Waouh, des monsieur serpent, attendez. Attendez, il y en a partout. Oh, on est dans une zone plus profonde de la forêt là et waouh! On va m'en rigoler. Alors attendez, il faut que je fasse ça dans l'ordre. On va aller tuer celui du banc en premier, voilà. On va faire ça dans l'ordre. On va récupérer son objet, une fois qu'on l'a tué, on aura pu retourner là.
Si on évite son poison, c'est bon. Hein. Ah ouais, d'accord, ok. Poison, il fait ça, ok. Par contre, il y en a deux, là, les gars. Il y en a deux. Oh, oh, je suis... Ils ont pas beaucoup de vie, en fait. Hein. Ils sont gros, mais ils ont pas beaucoup de vie, regardez. Leur vie, elle est très, très basse. Ça, ça peut valoir le coup, là. La vie très, très basse, comme ça, là. Fragment de pierre de sang, évidemment. Fragment jumeau. Hop, on esquive. Il va attaquer au corps à corps. Ok. Je vais lui faire un méga gros coup. Huch, voilà. On l'a eu. Donc, il y avait quoi? Un objet ici. Eau profonde. Ah, c'est intéressant. C'est un objet important dans le jeu, à mon avis. Donc, on va tuer celui du haut qu'on avait vu tout à l'heure, là, qu'on est tombé comme un con. Je pense que c'est, ça vaut le coup. Là, c'est pas grave si on revient en arrière et qu'on refarme ou quoi, les gars. Surtout que là, pour mentir, on est bien, en fait. On est bien parce que là, on récupère des objets en même temps et tout. On fait pas ça pour rien, je crois. Ça fait plaisir. Donc, le vrai chemin, il est par là, normalement. Ok. On va aller dessus. Alors, ok, il y en a ici. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore venu ici. Oulala, attendez. Si là, il y a beaucoup de serpents. Il y en a même un peu trop, à mon goût. Hush! Ok, on prend du recul. Ok, il y en a plusieurs, il y en a trop. Il y en a trop d'affilée là, faut pas qu'on affronte de trop. Ok, il y a la caverne. Ok, il y a la caverne et tout. Oh là là, les gars. Qu'est-ce qu'il... Ok. Ok, ils sont deux, ça va être trop dur. Ça va être chaud, il y en a deux. Ok, alors attendez, voilà, c'est trop notre temps. Ah, il m'a bouffé, c'est ça la mort. Ouais. Ah, bien joué. Bien joué de sa part. Bah oui. Bon, on va devoir revenir ici et tout, c'est pas grave. C'est la vie, hein, comme on dit. On m'entend bien au moins, il n'y a pas de problème de son ou quoi. Faut pas hésiter à le dire, les gars. Faut pas vous cacher dans votre coin s'il y a un souci, dites-le moi. S'il y a du son qui va pas ou quoi. Dites-moi tout, vraiment, vraiment. Comme ça, moi, je règle le souci de suite. Hop. Nickel, bon. Allez, on reprend. Bah, c'est très très calme, en tout cas, aujourd'hui. Pour un samedi, ça m'étonne quand même que c'est calme, je trouve. C'est quand même bizarre que c'est aussi calme. Il fait pas chaud, en plus. C'est parce que... C'est parce que c'est les vacances dans une semaine, hein, c'est pour ça. Donc, les gens sont peut-être... Il fait pas beau. À Lille, il fait peut-être pas beau, mais dans notre région, il doit faire beau quand même. Je pense. Ok, on retourne affronter les gros monstres qui cassent les couilles là. Ils sont sérieux quand même. Ok, on redescend tout en bas. Hop. Alors attendez, est-ce que ça vaut le coup d'aller là? Non, pas du tout. On va essayer d'aller vous retourner récupérer tout ce qu'on a perdu bêtement, quoi. C'est con de pas les récupérer tout ce bordel là. On a farm pendant des heures là, incroyable. Hop. Oh, qui se transforme vite. Voilà, on a tué un déjà. Tu sais, il donne quand même 1000 échos de sang, c'est pas rien 1000 échos de sang. Par contre, retrouver nos échos de sang qu'on vient de perdre là, putain, je sais même pas où c'était. Oh, fait chier. Ça va être un bordel là. T'as juste sauté là. Hop. Ok, fragment, ok. Là, c'est la mort. Ok, donc on sautera pas ici, là non plus. Non! Oh purée, c'est quoi ce truc? Attendez, je suis dans un trou que je connais même pas, avec des gens que je connais même pas. Ok. Donc on les esquive, hein. Ça se compte pas, je vous dis. Oh non, je me rappelle de lui. Il criait tout, non? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les extraterrestres, ils sont là! Ils m'ont envahi! Ça y est! L'attaque des extraterrestres a commencé, les gars. Incroyable. Allez, venez voir les extraterrestres, là. Il me farme la vie, regardez.
Oh là là, vas-y, je tombe dans un trou, les extraterrestres, c'est pas croyable ce jeu, la vie de moi. Allez, récupère-moi ça, on s'en fout de mourir après. Allez, venez. Venez les gars, voilà. Allez, venez, venez. Voilà. Deux extraterrestres en moins, les gars. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils envahissent la Terre ou quoi là? C'est quoi? Il y a une invasion extraterrestre là? C'est la guerre des mondes. Wouah! Mais on arrive dans un endroit du jeu qui est trop dur en fait. Les extraterrestres de partout. C'est l'invasion du siècle, hein, les gars. Pas croyable. C'est l'invasion du siècle. Hop. Ok. Bon, bah nickel. Voilà. Ouais, on est bloqué, hein, les amis. On est bloqué. Ça y est. Ça y est, on est bloqué dans le jeu. C'est incroyable. Moi qui ne croyais pas qu'on allait être bloqué à ce point-là. Et je trouve que si, finalement. Je trouve qu'on est bloqué. On va dire que c'est parce que c'est la première fois que je passe dans le lieu et du coup je connaissais pas les extraterrestres encore. Non, je sais qu'ils sont là, je sais qu'ils peuvent nous faire chier à tout moment les extraterrestres. Donc on va faire attention, voilà. Ah. C'est pas grave, on va les battre, on va les vaincre, vous inquiétez pas les gars, les guys. On va vaincre les extraterrestres et repousser l'invasion du mieux qu'on peut. Et ça c'est déjà pas mal. Attendez, là, un truc. Attendez, hop. Ah, quand c'est calme, je profite pour aller. Bah, si, bon, bah. Je pense que c'est calme, surtout parce que je dis peut-être que je sais pas, il y a eu. Peut-être que je vois que je suis en live et que c'est bug en fait, tu vois. Ouais, bah, tu es tout seul, donc si tu veux t'amuser sur le Casino Play, tout ça, faire des commandes, des tests de commandes, profites-en bien. Parce que ces derniers temps, c'est vrai que c'était moins calme. Là, ça revient un peu calme, donc si jamais tu veux faire des tests. Ou me parler de choses un peu plus professionnelles, moins professionnelles, tu peux. N'hésite pas, Matt. Là, t'es tout seul. Fais-toi plaisir. Profite d'en dire que c'est la bonne occasion. Ah, t'es premier ou t'es deuxième, toi, Matt? T'es premier ou. Enfin, on s'en fout des classements, hein, les gars. Y a pas de. Le premier, c'est pas mon préféré ou quoi. Hein. Vous savez que je m'en fous. Hein. C'est juste pour le fun. Voilà, t'es premier, Matt. Ok. Ouais, c'est Matt, James Sachs et Blanco, ou Deck. C'est comme ça, non? Il y a pas loin, il y a Abo qui est remonté en force aussi en classement. Abo, il est pas allé remonter en force d'ouf. Je crois. Et Abo, elle est combien, Abo? Dans le classement, elle est combien à vous? 9ème. Putain, bah, t'as vu, elle est dans le top 10. Ok, merci. Et ouais. Et Yuna aussi, du coup. Enfin, tous les modos, quoi, du coup. Attends, voilà, si je suis pas. Y'a pas un truc plus haut? Non, ok. Ah, si, y'a un truc là qu'on a pas pris. Ah ah. Voilà. Moi, j'ai essayé de leur rendre tous les trucs possibles récoltables. On va s'occuper de lui là, ne vous inquiétez pas. Attendez, hop, j'en occupe. Oh, il est mort. Ok. Il y avait rien du tout à récupérer en fait. Si, là il y avait un truc. Ok, ça c'est pour les échos de sang. 8ème. Ok, bon, les modos ça ils sont dans le top 10. Bah, c'est cool. Après, même si ça aurait été dans le top 100, ça. Je vais pas dire rien, il est dans le top 100 en fait. C'est juste savoir comme ça par. Parce que je parlais des classements et comme on est qu'à deux et qu'on. Voilà, comment ça. Ça va être voir en même temps des petits trucs qu'on pense pas forcément qu'on est en live ou quoi. Là, du coup. Du coup, Matt, tu as des idées pour les emotes cheers par rapport à mon thème ou quoi. Tu sais, moi j'avais une idée aussi pour mon logo de la chaîne. Après, s'il y a des gens qui arrivent entre temps, on peut en parler aussi. Hein. J'aurais bien voulu faire moi avec le chapeau du Don. Tu vois, moi dessiner un peu on sait à quoi je ressens maintenant avec le chapeau du Don, tu vois, ça se ferait, je pense. Non, c'est pas mal. Dis-moi ce que t'en penses, toi. Ah, par contre, tu vas nous tuer, le connard. Tu nous as tué tout à l'heure déjà là.
Ok, alors attendez, pas de mourir face à lui là. Faire attention. Déjà que je vais aller récupérer ce qu'il y a dans la caverne pour commencer, comme ça on ne peut retourner. Ça peut être bien, ouais. Ça correspond à mon thème, à moi en plus. Ça me correspond directement. C'est vraiment cool. Ok, des fioles de sang. Fioles de sang, je vais me soigner. J'essaie de me débarrasser de lui là quand même. Parce qu'il est quand même chiant là. Ah, j'arrive pas à l'avoir. Hein. Il faut trouver un moyen de me rapprocher de lui sans qu'il me touche en fait. Là il est bon, il est mort. Là, il est mort, c'est bon. Là je l'ai eu. J'ai trouvé moyen de le battre là. Nickel. Ok, donc là il y a un truc derrière l'arbre ici. Je vais aller faire ça. Ouais, ça peut être bien. Hein. Donc on est d'accord. Il y a beaucoup de serpents ici. Il va falloir faire ce ménage à la passe. Alors attendez. Ok. S'il y a moyen de tuer tous les serpents. J'espère que le boss c'est pas un serpent géant, même si je crois que ça va être un serpent géant vu la map. En vrai il est pas mal ce lieu hein, je trouve. Il est pas mal mais bon, il y a esquivons. Hop, encore un serpent et on pourra le tuer le gros là. Allez mon pote. Ok ouais, on l'affronte. Allez c'est parti. Ok, on prend notre temps. L'essentiel c'est vraiment de récupérer les objets en secondaire qui sont récupérés. Alors attends, je vais récupérer l'objet déjà. Alors, moi j'ai de l'affronter à la suite. Oh, plein de nécros de sang là, c'est cool ça. Pour les level up. Hop, voilà, on l'a eu. Nickel les gars. On a géré. Ça peut être bien, on est d'accord. C'est une idée hein, comme une autre. Il faut de toute façon c'est bien de proposer des idées ou quoi. C'est pas mal de faire avancer les choses aussi. Hop, peut-être qu'en allant en bas on a tu sais, une grille. Tiens, je vais voir ce que c'est. Je vais prendre le risque d'aller affronter le monsieur tout seul. Hop, ouais, on sait ce qu'il va faire. Ouais, il va évoluer en Pokémon un peu plus puissant. En Karchakrok. Ah non! Non, je suis mort ici! Non! Je suis dégoûté! Non, pas là! J'étais à deux ouvrir une grille mystérieuse! T'as été trouvé un raccourci ou quoi? Non! Ah, ils t'attrapent! Ils ont pas de pitié, hein. Ils te mangent tout cru! Oh non! J'attendais pas qu'elle allait m'attraper du premier coup et qu'elle allait manger du premier coup! Je me suis dit, il va juste me faire des dégâts, tu vois, il va me mettre un petit coup de venin ou quoi! Comme dans ce jeu, le venin il pouvait one shot pas, c'est bien! En vrai, tu prends du venin, tu peux mourir. Hein. Si on me sort un serpent venimeux à mort, tu peux mourir dans les 8 qui viennent. Je vous le dis, les gars. Est-ce que t'as déjà croisé un serpent venimeux, toi, Matt, dans ta région, ou dans ta ville, ou quelque part en vacances? Est-ce que t'as déjà rencontré un serpent? Voilà. Ça fait du discussion comme ça, au moins, je puis discuter avec Matt. Est-ce que tu as vu un serpent dans ta vie venimeux ou quelque chose comme ça? N'hésite pas. Oui, il est rentré dans ma maison, mais non. Une vipère! Oh putain. C'est comment t'as fait pour la maîtriser? C'est du coup c'est tes parents qui l'ont maîtrisé ou c'était toi ou ton frère ou quelqu'un de un ami à toi de la famille? Avant il y avait une vigne. Ah oui, ok. Ok. Moi j'ai vécu dans des vignes quand j'étais ado. Ma mère et tout, je connais un peu. Mon père a pris une pelle et dra. Une fois j'ai pas envie de l'affronter, mais connard. À cause de lui là, je suis mort. Là. Enfin, pas à cause de lui, mais à cause de ses frères là. Je vais récupérer mes échos de sang et j'allais monter un level ou quoi. À quoi ils servent les points d'ésotérisme déjà les gars? Est-ce que vous savez? Couper la tête. Oh, ça a dû être fatal quoi. Fatal ici. Wesh les gars, arrêtez avec vos serpents tout partout là dans la map là. Ça commence à être chiant. Je fais un pain et un serpent. Et je suis entouré de serpents, hein. C'est incroyable.
soigner. On s'occupe du géant. Le gollum là, enfin le golem de serpent là. Hop, il est mort. Y'a pas moyen d'avoir de la vie là, s'il vous plaît, le serpent. Tu peux m'en donner un peu de mes fragments là. C'est bien les fragments, mais bon, là on a pas trop besoin là, je crois, frère. Ok, on est revenu ici. Ok, d'accord. Très bien. On va aller plus loin là-bas. On va foncer. On va éviter les combats contre les gros serpents à gauche, à droite. Là. On va essayer vraiment d'avancer un peu les gars, je vous le dis. Voilà, hop. Moi je vais retourner ici. Voilà, c'est lui qui a mes échos. Il faut que je le tue. Il faut que je le tue. Et voilà, il transforme déjà. J'ai pas le temps de venir le voir là. Fais chier. Non, non, regardez, ils m'ont dit, il me fait mal. Allez, on va la voir. Dernier coup. Je l'ai pas eu. Combat ultime. Voilà, on récupère les échos de sang. On ouvre ce raccourci. Eh ben non, du coup, c'est pas un raccourci. Incroyable, voilà, tout pour ça. Tout pour me dégoûter, en fait, le jeu. Tout a été fait pour me dégoûter, vous avez vu, c'est incroyable. Il n'y a rien du tout ici, non. C'est juste un cul-de-sac. On va aller voir en haut, tiens. Donc c'est le seul chemin qui reste, c'est en haut. Ok, c'est trop calme. Pour que ce soit pas un boss après. Ah, ok, d'accord, oui. Ok. Bonjour. Don Alex. Non. Quel bâtard. Excusez-moi. Attends, il va attendre d'avoir moins de folie. Ah, mais j'ai le level up. Ah, Matt, il reste premier. Hop. Voilà. Est-ce qu'il y avait une récompense? Autre que des fragments de pierre, quoi. Non, il y avait rien d'autre. Il y avait juste des fragments de pierre de sang. Ok, très bien. Il n'y avait pas de récompense. Alors, du coup, on va récupérer ce qu'il y a ici. Donc, un cadavre avec des récompenses. Ok. Donc, vous, je m'en fous. Je ne vous connais pas. Je n'ai jamais vu. Bonjour. Attendez, c'est lui qui me bloque le chemin là, bordel. Ah, lui il est chiant. Incroyable. On va aller voir à gauche. Hein. Il y a de plus en plus de serpents qui pop. Hein. Je sais pas d'où ils viennent ces serpents, mais il doit y avoir un méga serpent légendaire là. Une reine des serpents. Qu'est-ce que. Oh purée. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Longtemps qu'on l'a pas vu. C'est depuis le premier niveau du jeu, on l'a pas vu. Ah lui il va me suivre jusqu'à la mort en fait hein. Hey, il va être relou lui hein. S'il a voyé que pour me suivre, on suicide. Hop. Ah il va être relou lui. Ah les gars, lui. Attendez, on est où là? Je sais même plus où on va. Il y a trop vite le chemin les gars, c'est un labyrinthe. Là c'est des extraterrestres je crois qui sont en bas. C'est la grotte des extraterrestres ici. Ok, des cochons zombies, what the fuck. Au secours. Il y a des. Oh, il y a des cadavres, il y a plein de bordel. C'est un bordel ici. Hein. L'acténu, nice. On est un objet rare. Tant mieux. Waouh, les gars, je sais même pas où on va. C'est un labyrinthe ici. J'ai jamais vu un labyrinthe aussi grand dans un Dark Souls, etc. Après, Dark Souls, c'est... il y a beaucoup de trucs. Il faudrait que je tue les cochons parce que je suis sûr qu'ils touchotent ou quoi. Il faut passer derrière lui. Ah, il va me voir, il va être devant moi. Bah, ouais, il m'a vu. Bah ouais, c'est le problème, il va me faire chier. Hush. C'est moi, j'ai bloqué. Voilà, j'ai eu. Nickel, il me donne des fioles en plus. Ça, c'est gentil. C'est-à-dire que par là-bas, il y a un truc. C'est bien gardé par là-bas, par des mecs, des bourrins. Ok. Bon, les cadavres là, au sol, là, on s'en occupe pas, les gars. On est en train d'explorer. Pour l'instant, on explore les bois qui est très très grand. Faut pas se mentir, le lieu est très grand. Et je crois que c'est le lieu le plus grand du jeu, je crois, si j'ai un bon souvenir comme ça. Parce que c'est vrai qu'il me parle beaucoup ce chemin.
Oh, ça va en bas, ça va en haut. Oh là 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 là. On a loupé des chemins en arrière et tout. Je vais devoir bien le fouiller hein, ce bois hein, avant de me barrer d'ici. Hein, parce que là. Là, ça sent un boss ici, les gars. Ça sent le boss. Oh. Ça sent le boss. Alors, attendez. Oh non, je me rappelle du boss. Oh non, pas lui. J'ai horreur de ce boss. Ah, c'est les trois frères, là. Ils sont chiants, ils sont trois en plus. Oui, je me rappelle de ce boss, les trois frères, là. Purée. Les rois mages, là, bordel. Il y en a, ils crachent du feu, il y en a, ils foirent à l'épée et tout. Et puis après, ils ont une autre phase, ils se froid et tout. Et puis, quand on tue un, les autres frères, il est plus fort que d'habitude. Au début, les frères, ils sont nuls, hein, mais après, vous allez voir. Ok, alors attendez. Est-ce que ces trois frères, c'est les boss du niveau de la forêt? Je me rappelle qu'il y avait un boss avec trois frères, parce que quand j'ai vu les deux sorcières la dernière fois, là. Voilà. Et quand ils évoluent, ils sont encore plus forts. Ce que je vous avais dit, les gars. On va faire ça, on a plus beaucoup de vie. Bah ouais, ils abusent. Ils ont mis trois frères trop vite, les gars. Ils ont tous les trois évolué, en plus. Hein. Wouah, les trois frères. Non. Bon, la vie, c'est pas grave, les échos de sang. Les échos de sang, on peut refarmer à tout moment, c'est pas grave. Par contre, c'est de la vie, j'ai pas eu assez de vie pour la faire flotter. Lui qui fait de la magie, peut-être qu'il faudrait tuer en premier, parce que lui, la magie, il peut nous tuer à distance. Oh, non, nous, on aime bien courir et tout dans le jeu. Ok. Le samouraï. Alors, attends, il faut que je me cache ici. Je vais voir lequel des frères, les trois frères va m'attaquer en premier. Ok, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun des trois qui a une priorité pour m'attaquer. Ah, j'ai fait le con, les gars. Après, je trouve des moyens de me farmer, là. Ouais, bah ouais, ça va être trop chaud. Trois frères. Trois ennemis d'affilée en plus, vous savez déjà moi avec un ennemi c'est la merde, alors trois bah, ça va être la galère. Et je crois que j'avais eu pas autant de décès que ça pour les battre, mais ils étaient chiants quand je les ai battus. Enfin, j'ai mis du temps avant de les tuer quoi. Mais eux, c'est pas le boss qui m'a mis le plus de fil à retordre dans le jeu. Ah, il traverse les pierres, ok d'accord. Ok. Donc, on a trois frères à battre. Très bien. Je note trois frères à affronter, trois frères à battre. C'est le boss de cette forêt. Ok, ou c'est du semi-boss, hein, je sais pas. C'est des semi-boss du jeu, enfin du niveau. Et je crois que derrière il y a une porte qui se ferme, enfin qui est fermée, et du coup on l'ouvre, on va peut-être pouvoir avoir une lanterne, au moins on aura un raccourci dans la forêt, ce serait cool. Ok, donc ce sera les boss à affronter aujourd'hui. Donc on va essayer de. Enfin, si on retrouve la route, parce que la route qu'on a pris là, pas facile. Hein. Allez, on va aller rechercher des fioles des fioles. On va chercher quelques fioles, on va réparer l'épée, le marteau. On va voir si on peut pas l'améliorer d'ailleurs les épées aussi. Et puis bah on y va, on go. Attendez, je vais voir si on peut améliorer les épées. C'est-à-dire si j'ai assez de pierres. Je serais bien à mon début. Non. On peut pas réparer. On peut juste réparer, on peut pas améliorer. Ok, très bien. Donc on peut pas fortifier l'épée, du tout. Un peu dégoûté quoi. Ah, attendez. Si on peut améliorer la lame sacrée de Lunwig, ça c'est intéressant ça. On peut l'améliorer, on aura une arme aussi puissante que le marteau, ce sera cool. La lame sacrée de Lunwig, c'est une des meilleures armes du jeu, parce qu'on croit. Enfin, elle est dans les meilleures armes du jeu, c'est pas la meilleure, mais une des meilleures, ça c'est sûr. On n'avait pas trouvé un autre lieu, on avait vu des fioles de sang, etc. Là, des potions là. Autre que le Yarnam du début, là, le centre de Yarnam. On dit Yarnam ou Yarman, ah je sais plus. Faut que je regarde le nom exact pour bien le prononcer. Après faut pas oublier aussi que. Il faut oublier aussi que la forêt elle est grande et s'il faut, il n'y a pas qu'un seul boss. Hein. Ils sont tombés sur un des boss du jeu, mais c'était pas le seul. Après, il y avait une route et tout bien dessinée, comme si qu'il allait avoir un boss, donc ça c'est sûr. Mais c'est pas sûr à 100% qu'il y avait un boss que ici après. Donc, normalement, les gros, on peut les tuer avec l'épée simple. Avant, on les tuait à double épée, mais non, on va les tuer avec une seule épée. Je pense que ça devrait passer, j'espère. Je vais tenter. Hop, hop, hop. Regardez, non, ça on peut les tuer avec l'épée simple.
pas grave, pas grave. Il va, voilà, il fait des dégâts, il est content. Hop, là, allez, par contre, on récupère. Voilà, ne quittez pas, les gars. Allez, on va essayer de récupérer le maximum de fioles, ce serait cool. Hop. Allez, on rappelle l'ascenseur. On arrive en haut. Voilà. Allez, on va essayer d'aller chercher les fioles qui sont en bas. On va faire le tour jusqu'au la tombe d'Odéon. Wedon. Puis après, on va essayer d'aller de refaire le même tour à l'envers. Pour récupérer des fioles de sang. Puis on aura assez pour améliorer notre épée et même notre réparer notre arme, donc c'est cool. Bon, tout sera réparé après. En fond, je meurs ici, quoi. Voilà. C'est pas arrivé hein, que je meurs ici, mais ce serait vraiment con que je meurs ici bêtement, quoi. J'ai le tuer en un coup, lui, si il va me faire chier, le sang. Hop, vous savez, il allait courir avant moi. Il va arriver. Hop. On est à la bonne catégorie, Matt. En jeu, parce que c'est ce que je fais, la mauvaise catégorie, c'était le seul problème. Je sais pas, c'est possible. Hein. Je sais pas si on a la bonne catégorie du coup. On me pose la question là. Là, c'est good, bah ok. Ok, ça marche. Ok. Nickel. Nickel. Hop. Bon, 1033 et coup de sang, on va pouvoir améliorer la lame sacrée de l'Unwing du coup. On a tué tous les chasseurs qui étaient là-bas, là, dans le bois, là. Ok, merci à toi, Matt. T'as Matt fidèle, hein, fidèle au poste. Même quand c'est calme. Je sais pas si c'est, pourquoi c'est calme, c'est... Il y a un événement aujourd'hui, on est quel jour? Est-ce qu'il se passe quelque chose le 27 juin sur, dans France Je sais pas. Hop, on va améliorer la lame sacrée de l'Unwig. Évidemment, on va pouvoir réparer même l'arme. Nickel. Allez. On retourne dans la tombe de Wedon et on va faire à l'envers cette fois le circuit. Hop, on récupère des échos de sang. Et puis on va pouvoir aller affronter les deux frères jumeaux. Hein. En plus, j'ai des papiers de foudre et des papiers de feu. Peut-être que ça pourrait servir. Papier de feu, je sais pas, ça pourrait peut-être servir face au boss. Quoique, après, papier de feu, c'est des... Il y en a 2 sur 3 qui ont du feu. Hein. Il y a une épée en feu. L'autre, il crache du feu. Le troisième, il y a une épée, c'est un samouraï. Ok. Donc, il faudra faire attention au combo des trois frères... combo des trois frères Yharnam. Donc, les trois frères Yharnam, c'est eux qui ont créé ici le lieu, à mon avis. À mon avis, c'est les trois frères qui ont créé ce lieu. Je pense, j'invente l'histoire, hein, mais je suppose. Peut-être mal. Ah, il se positionne. C'est pas grave si je meurs face à eux. J'ai rien à perdre. Là, c'est juste que j'ai à gagner. J'ai que à gagner, j'ai rien à perdre, donc c'est cool. Donc là, on a 11. Il faudrait 20 avec toute ma vie complète. Hein. Donc, même s'il y a un souci. Hop, on va essayer de tuer lui. Hop, pas eu le temps de m'attraper. Eh oui. Et le 13. Donc le petit groupe là, il est où? Il est pas là. Ah, intéressant, le groupe il apparaît pas forcément. Le petit groupe d'ennemis qui est là, il apparaît pas forcément. En fonction de là où tu viens. Ok. Vous voyez, c'est mythique. Hein. C'est mystique. Allez, on remonte en haut. On fait le chemin à l'envers, et remis à l'envers. Hop, allez, on va aller voir en haut. Ah, ils m'ont tué, bâtard. T'as, j'ai pour gagner des échos, enfin des fioles, et ils me les reprennent tous. Incroyable. Ça sert à quoi?
sert à rien en vrai ce que je fais là. En vrai, je suis un vrai un gros teubé, hein, vraiment. Oh. Je viens pour récupérer des échos de sang, j'en perds plus que j'en gagne. C'est incroyable. Hein. Bon, tant pis. Hein. En vrai, c'est parce que je me battais avec une main. Il faudrait peut-être pas, je sais pas. Allez, lui va me les donner, c'est les siens. Tiens. Hop, t'en as. Ah, il n'y en a pas, évidemment. Lui en a, lui là. C'est des balles vives. Ouais, bah, lui, il ne donne que des balles vives. Okay. C'est jamais qu'il changerait de composition, quoi, non. Et puis, attends, c'est pas pour ce côté, il y a quoi l'autre côté? Ça va bien savoir. Bonjour! J'essaie d'affronter les grosses créatures là, ouais, elle. Elle pourrait donner beaucoup de fioles de. Je vais les tuer ou des fragments de pierre jumeaux. Ou... Ouais, je prends des risques parce que voilà, j'ai envie de savoir. Hop, il donne quoi, tiens? Fiole de sang, nickel. J'ai bien fait d'être venu ici, du coup. C'était un miracle. Et j'ai tué lui, et normalement, lui, ça me suffira à me donner les fioles de sang qui me manquent. Et ben voilà! Ah, non, il ne donne pas des fioles, mais par contre, il donne des trucs. Ok, je vais voir un peu en arrière. Peut-être que je vais louper un chien d'enfer. Peut-être qu'un des chiens de l'enfer il pourra me donner des fioles, j'en sais rien. Je sais jamais, hein, les gars. Bon, alors, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner, je pense, en arrière. On va retourner en arrière, je pense. On a déjà bien avancé. Oui, allez, go. Bon, allez, on va retourner en arrière, les gars, et puis on va aller affronter les frères jumeaux. Hein, 19 fioles. On va moins avoir trouvé 2 fioles sur le passage des deux frères, là. Même si je crois qu'il y a des chemins, ça va être chaud de pas prendre des dégâts, quoi. Ça va être très très compliqué. Non, là, y a rien du tout. Enfin, les gens, êtes-vous? Moi, je suis perdu, là. Allez. J'ai loupé un truc. Oh, papa. Mais là-bas, c'est un autre chemin à gauche. C'était un peu plus loin, là. C'est ici, voilà. Ok, on repart. On repart. Dans tous les cas, on est obligé de prendre des dégâts à un moment donné, quoi. On entend un mec qui parle, hein. Bon, on sait pas qui c'est. Ah, il y a lui aussi, peut-être qu'il va nous donner des fioles, par miracle. Si on en donne, ce serait cool. Hein. Ouais, il en donnera pas, évidemment. C'est un radin de première, ce mec. Hop. Retourner dans le monde des. Rêveur, je sais pas comment on dit ça. Ouais, le monde des rêveurs. Go y retourner. J'ai mal aux yeux en plus, ça me brûle les yeux là. J'ai pas été beaucoup sur les écrans hier, je comprends pas comment ça me brûle les yeux. C'était trop sombre chez moi, attendez, j'allume la lumière. Il est quelle heure là? Ouais, c'est 15h58, je peux pas allumer la lumière à 15h58, j'essaie d'ouvrir le plus grand niveau là, attendez. Parce que là, j'ai mal aux yeux. C'est peut-être la fumée, la friteuse, parce que j'ai fait un peu des frites juste avant là. C'est déjà ça, les gars. J'ai mal aux yeux. Je pense que c'est déjà la fumée. Ouais, ça doit être ça, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas là, dans le coin? Ok. Il a dit quoi? Anéantissez la source du fléau des monstres. Autrefois, c'était un atelier. Nous l'avons, vous pouvez même là. Ok, merci monsieur. Alors attendez. Réparer, oui, voilà, réparer. Hop. Ouais, fortification, quoi, au sanglant. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rien. J'ai rien pour améliorer, quoi. Les armes actuelles, ils sont tous bien améliorés, regardez. Donc, tous les meilleurs. Donc, tous les meilleurs joyaux possibles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne de plus, moi?
Oh, attendez. On peut monter de quelques-unes. Attendez, je vais regarder pour là, du coup. Oh, nice. Ah si, en vrai, c'est cool. Attendez. J'essaie de prendre la lame sacrée de Lunwin, tiens, pour changer. Elle fait peut-être que 160, mais j'ai l'impression qu'elle a plus de dégâts supplémentaires magnifiques. Elle a peut-être un bonus que je n'ai pas vu, et qui est important. Tiens, bah on va acheter la dernière fiole de sang qu'il nous reste à avoir. On va l'acheter. Très vite. Hop. Alors que je peux acheter d'autres cocktails. Et sinon, je peux acheter... Papier de feu, ce serait bien d'en avoir une dizaine, hein, parce qu'on a que 5. Attendez, hop. Attendez, je vais faire autrement, c'est ici, là j'ai rajouté papier de feu ici. Ah oui, on peut faire ça aussi. Non, c'est vrai qu'on le fasse plus tard quand on a vraiment beaucoup d'écotillons sur nous et qu'on peut monter deux fois plus de level. Voilà. Faire ça comme ça. Ça, c'est quoi ça comme objet? Non, c'est nul ça. Oui, j'ai ça à l'équiper. Ouais, c'est bien. Ensuite, il y a quoi de bien là? Ouais, ça. Et le papier là, le papier pour se téléporter rapidement là, il est où? Ouais, ça. Ouais, j'ai refait un peu mon équipement, les gars. Allez, direction le moins interdit. On va aller affronter les trois frères là, les trois frères masqués. J'espère qu'on va leur mettre une belle petite pâtée. Ah, c'est dommage, les gens. C'est dommage, ceux qui suivaient Bloodborne, ils vont louper ce combat incroyable. Et Matt, tu raconteras les exploits de ce combat. Hein, si tu es encore là pendant le combat, tu pourras leur raconter les exploits de comment ça s'est passé. Tu diras, ah, Don Alex a fait ceci. Non, ils vont être dégoûtés. Hein, et... voilà, comme ça, c'est la vie. Hein. Comme on dit, c'est la vie d'Aloca. C'est la vie d'Aloca. La vie d'Aloca. Est-ce que t'as une musique à proposer, Matt? Les nouveaux sons en ce moment? Bon, je vais pas les mettre en live avec ce qui se passe avec les lois et tout, mais si t'as des sons à proposer, hein, n'hésite pas, Matt. Hein, tu sais, et tu seras. Ce sera fort. Fort. Conseillé. Enfin, fort conseillé. Non, ce sera fort apprécié. Ok. Bon allez go. On est parti. Ah, c'est calmé là, il n'y a plus d'ennemis d'un coup. Incroyable. Ah, c'est du bien un peu de calme d'ennemis là, sans ennemis qui nous fait chier là. Ah là non j'ai rien. Ah bah c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave, t'inquiète. Ah j'ai pas d'écouter là le. J'ai pas d'écouter le son là de Bosch. Le son du moment là qui est numéro 1 sur Skyrock là. Trop bien ça. Il y a peu de temps que je la connais, mais elle est trop bien. J'écoute ça, j'écoute Naps avec avec Soul King aussi. Pour le pop. Après, j'aime bien, c'est avec Ligno et Daozi. C'est trop bien. Enfin, il y a beaucoup de rap et faire que j'écoute ensemble. Allez, go! Hop! Allez, c'est parti, les gars! Hush! Alors, il n'y a pas le temps de toucher, monsieur le serpent, là? C'est que c'est pas gentil, monsieur le serpent! Voilà! Vous voyez, je vais vite avec cette arme. Cette arme, elle fait plus mal, même vite que le marteau, que l'épée marteau. Cette épée là, j'ai l'impression qu'elle fait plus de vie des dégâts. Là. Hop, même pas le temps d'agir. Ah, si, il a eu le temps. Je sais, il a eu le temps. Comme par hasard, au moment où je dis ça, c'est il a eu le temps. Bon, nous, on va affronter le boss, on s'en fout des créatures comme ça là. Je vois qu'il y en a un en plein milieu de notre chemin, on est obligé de l'affronter et tout, c'est chiant. Puis c'est les bonhommes avec leur tête de serpent là qui nous suivent vite là, ils courent vite et ils marchent vite, pardon, et ils nous suivent de près. Là, ils font chier. Faut que je les esquive. Putain, je l'ai utilisé. Non, c'est... Ouais, c'est lui, il faut que j'esquive là. C'est le frérot là. Je vais l'esquiver, hein, les gars, vous inquiétez pas. Pas compliqué, hop. Allez. Vous voyez, je l'esquive assez vite. Hein. Sans tricher ou quoi. Petite esquive, c'est bon. Et c'était ici, je crois qu'on était pas loin. Hein. Bah oui, parce que là, on devrait être, on était revenu ici. Voilà. C'est ici qu'on était. En fait, on est revenu à cette intersection. Et c'est là qu'on avait trouvé pas loin le boss. Mais je sais plus, il était où. On va fouiller au pire, hein. Et à un moment donné on retrouvera notre chemin. Hein. Puis s'il faut on trouvera des objets incroyables.
Putain, je me suis douté qu'elle allait me toucher ou à moitié. J'ai cru qu'elle allait me toucher, purée. Hop, oh, il faut que je me débarrasse des ennemis qui me suivent. C'est chiant, mais c'est le mieux à faire. Ça y est, il me suit plus le mec avec son chausson. Sa tête de serpent là. Ah, une zone qu'on n'a pas encore découverte. Tiens, on va aller fouiller ici. Une grotte. C'est bien parce que là on trouve des endroits là que c'est important. Bon, on va pouvoir fouiller la grotte. Alors, il y a des ennemis ou c'est des pierres, okay. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau? Bonjour, je vais visiter la grotte. Don Alex, enchanté. Ok, les extraterrestres, nickel. Ok, les extraterrestres sont pas tous faciles à tuer. Hein. C'est leurs confrères avec les têtes géantes là qui sont durs à tuer. Ah, mais non, on est revenu en arrière. Ah, je suis en où? Ah, purée. Ah, oh, fichier. Alors, j'aurais pas équipé un pistolet, voilà. Ok, ok, ah oui, oui, d'accord. Leur pouvoir est vraiment incroyable en fait. Oh là. Pareil que je peux plus revenir en arrière si je peux. Ah non, je peux pas. Alors viens ici. Je vais occuper de tes frères extraterrestres, mais t'inquiète pas, ils vont m'en débarrasser là, tes deux frères. Ils sont chiants là, les frères laser. Bon, les esquivés sont trop chiants en fait. Ok, faut que je m'occupe de lui là. M'en fous, je peux mourir, je m'en bats les couilles, je veux l'objet. Oui, nickel. On a eu l'objet du jeu. L'objet ultime. Vite! C'est pas grave les gars. C'est pas grave, moi on avait l'objet qui avait dans le coin. Même si on les tue pas, c'est pas très très grave. Vous savez, n'inquiétez pas. Enfin, je sais que vous inquiétez pas, mais. Ouais. C'est ce qu'il fallait, c'est l'objet surtout. On avait eu de récupérer des pouvoirs pour les améliorer, les frères. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça à mon avis. Alors si je les tue, peut-être que j'ai des objets, voilà, des pierres de fragments ou des trucs comme ça. Ça vaut le coup sur ce côté-là, par contre. Pas moyen de trouver un bug pour monter là-haut, là. Ah, j'ai pas, hein, j'ai pas de bug pour monter là-haut. Bon, bah tant pis, on va retourner en arrière, on va faire, on va retourner de là d'où on vient, comme dirait la fouine. Parce que l'on sait d'où l'on vient, et que l'on attend chercher. Tu connais Matt, hein. Matt, il connaît tout ça. Matt, il connaît les bons sons. Là. Ouais, écoute un peu de tout, Matt, un peu comme moi, c'est bien. Ouais, je te dis ça, si vous, tu veux me dire non, j'écoute pas de tout. Bon, y a rien en fait ici. En fait, on est dans un cul de sac de merde. C'est vrai que c'est calme. C'est bizarre quand c'est calme. Ça fait bizarre, enfin. Heureusement que je connais. C'est du lafouine. Fouine babe. Ok. Hop, y'a rien ici, non. Du coup, y'a rien. On va aller voir une petite tour là, tiens. Une maison. La petite maison dans la prairie, tiens. On va voir ce qu'il y a dedans. Alors y'a lui les gars. Alors lui, faut que je m'en débarrasse. Lui, connard. Oh j'ai eu, nickel. Elle est bien cette arme en vrai. Elle est tellement bien. Ok. Une mine. Une mine. C'est que c'est un raccourci d'ailleurs, tiens. Oh, il y a tout pour être un raccourci, tiens. Allez, on va le voir. Oh, James Sachs. Oh, bah ça fait plaisir, enfin. Bon, Matt, tu seras plus tout seul du coup. Matt, tu seras plus tout seul. Ah, coucou, je suis James Sachs. Comment tu vas? Beaucoup de love à toi, James Sachs. Comment se passe ta journée? Bah Matt, tu vas être content, il était tout seul, le pauvre. Ah bah tu vas bien, mon cher James Sachs. Quoi de neuf? Quoi de neuf, mon ami? Mon cher James. Comment se passe ta journée? Hop. Savoir du démon, très bien. On est dans les mines qu'on n'avait pas fini d'explorer la dernière fois, rappelez-vous. Ça va et vous les amis? Ça va super, James Sachs. Beaucoup de love à toi, tiens, je t'ai pas fait de love, tiens, beaucoup de love à toi. J'espère que tu vas bien, mon cher James Sachs.
Ah nous ça va bien, enfin Matt il va bien je pense. Tranquillement, voilà, il y a un peu chaud encore. Tant qu'il se transforme pas, c'est bien. Et du coup voilà, on peut le tuer après. Et il est mort, voilà. J'espère que tu vas bien en tout cas, James Sachs. Ben moi là je vais bien, je suis sur Bloodborne, après on va sur Zelda Majora's Mask. On fait le plus gros live de la semaine, c'est aujourd'hui je pense, limite. C'est aujourd'hui parce que du coup j'en profite que c'est samedi, je sais pas quoi, j'ai pas trop de choses à faire. J'aurais pas dû aller au magasin, je serais resté jusqu'à très tard aujourd'hui, mais il va aller au magasin chercher à boire. Sinon je serais resté très tard. Ah oui, ça me parle ici, il y a des objets à récupérer et tout en sautant. Alors attendez, je vais chercher les objets qui sont en bas. Je crois qu'il y a le ponton là ici là, il y a des objets à récupérer et tout. Ouais oui c'est ça, vas-y. Viens m'affronter. Voilà, bah alors monsieur. Vous êtes plus si fort que vous pensiez hein, mon ami. Hein. Eh oui mon ami. Donc là il y a rien du tout, là c'est le vide. Ouais là, c'est la mort. Là c'est la mort assurée les gars. On va pas aller par là. Ça va super mon cher James Sachs, écoute. Je suis content parce que bah, du coup comme je te disais j'ai pu faire la validation là, du MDR là. De l'emote MDR. C'est cool. Là aussi là je vais pouvoir commencer pas dans pas longtemps Ratchet & Clank hein, je pense. On y est à quelques pas de commencer le Ratchet & Clank. Poignard, nice. Nice, nice, nice. On trouve plein d'objets là, c'est cool là. Ah, ça c'est un objet rare, ça je le sens. Quand c'est disponible, c'est un objet rare. Poignard empoisonné, ok. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Sapristi, ne faites pas des coups comme ça. Pardon, continuez. Sapristi, ne faites pas des coups comme ça. Pardon, excusez-moi. Petit réflexe. Je vous ai pris pour un monstre. Oh, grâce au ciel, vous avez l'air normal. C'est vous qui avez abattu cet horrible monstre? Oh, cette chose m'a glacé le sang. Il est aveugle. Vous êtes arrivé. Oh, il est aveugle, monsieur. Puisque vous êtes un chasseur, vous connaîtriez pas un endroit sûr? Si. Ah. Et les gars, regardez. Attendez. On est d'accord. Si je l'envoie lui. On dirait pas que c'est un cannibale. Regardez le sang qu'il y a sur ses mains. Est-ce qu'il irait pas à la chapelle, il irait pas manger tout le monde? Ah purée. Ah non, lui il me fait peur lui en fait. En fait quand je suis arrivé, il faisait semblant qu'il était normal et tout, qu'on était content de nous voir, vous avez vu? Mais regardez, il est en train de dévorer. Oui, regardez, il est mort, limite dévoré. Je crois que c'est un cannibale. Regardez comment il est habillé. Je crois que si je l'amène à la chapelle, il mange tout le monde. Oh putain. Ah là 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 là, choix difficile. Oui, c'est un cannibale lecteur, c'est obligé. Je pense que c'est un cannibale, lui. Ouais, mais en vrai... Bon, vas-y, c'est le jeu. Merci. Il était temps que je bouge. Je peux pas me permettre de rester seul dehors. C'est un cannibale. Vous m'avez redonné espoir. Prenez ça. C'est tout. Mixture acre à base de sang. Bizarrement, hein, du sang qui vient... Merci. D'humain, évidemment. Hein, on se doute, hein. Bon bah c'est pas grave, au pire il mange tout le monde, de toute façon on a parlé avec tous les PNJ là-bas, même s'il meurt parce qu'il les a bouffés, c'est pas très grave, hein. De toute façon on a récupéré tous les objets qu'il nous fallait, maintenant ils peuvent mourir en paix, hein. C'est bon. Qu'est-ce que... Ah mais on a déjà été ici, ah c'est Monsieur Canon. Ah c'est... Ouais c'est le Monsieur Canon, c'est-à-dire que lui quand on l'avait affronté, rappelez-vous, c'est celui qui nous avait tué plusieurs fois là, quand on était arrivé dans la forêt là avec son canon. C'est Monsieur Canon. C'est Canondorf. Voilà. Oui, c'est Canondorf. Ok, on a parlé du coup au PNJ que je voulais parler. Hop, on saute ici. Hop, comme ça on récupère un objet. Oui. Oh, bah un canon. Oh, bah c'est nickel. On a récupéré une arme importante. Voilà. C'est pas ça, c'est pas incroyable, les gars. Non! Ah, il m'énerve. Il m'énerve quand il fait ça. Il m'énerve. Il ne prévient pas, il saute. Moi, nous, on sait où il y a le boss. On sait où sont les boss. Là, c'est bien. On va essayer parce qu'on explore tout en fait.
toute façon, le banc, c'est l'exploration et du combat, hein, c'est les deux. C'est du combat, d'un érythra, exploration. Il n'y a pas d'autre chemin là d'ailleurs, c'est le seul chemin je crois ici, ouais. Ouais, c'est le seul. Ok, bon, on y va. Il y a quoi à gauche? Tiens, j'ai pas été voir. Ah, il y a rien. Ok. Il y a rien du tout, du tout. Non, il y a rien du tout, du tout. Ok. Donc on va aller voir à droite. Ici, par là, ouais. On va reprendre l'échelle. Et... bon, en fait, je crois qu'il n'y a pas plus rien à faire ici. On a fait le tour de cette fameuse cabane étrange. Je crois que maintenant il faut qu'on aille autre part. Ok, ben écoutez, écoutez. Alors là, c'est quoi? C'est... il y a le monsieur là, non? Cannibale. Ah, il est pas encore parti. Ok, là il faut qu'on en revienne de là, ok. Hop, on fait le tour comme ça. On avait fouillé ici d'ailleurs. Oui, on avait fouillé. Il y a beaucoup de cadavres dans ce jeu. Hein. Il y a beaucoup de cadavres. Il y en a même plus que ce que je le pensais, vous imaginez. Donc c'est ici qu'il y a le raccourci normalement. Pas loin. Qu'il y a le raccourci qu'on avait pris, rappelez-vous. On va le reprendre. On va le reprendre et puis on va... attends, il y a quoi en face là? Ah, c'est long. Ok, d'accord, nous il fallait qu'on aille en bas. Ok. Voilà, la suite est par là. Normalement, la suite, elle est par là. Ok. Mais on n'a pas été en face. Regardez, il y a des autres chemins qu'on n'a pas encore fouillés, les gars. Hop. Attendez, mais c'est quoi ici, là? Qu'est-ce que c'est que cette commande? On va où quand on fait ça, là? Ok, lançons. On revient là où on était. Ok. Encore un autre raccourci, ok. En fait, il y a deux raccourcis possibles, en vrai. Voilà, pour revenir à la zone où on est, donc ici. Et là, quand on descend les escaliers, donc là, on est au niveau des extraterrestres, enfin, du lac des cochons. Enfin, le lac des cochons zombies. Il faut le préciser, les gars. Et on va fouiller un peu les lieux qu'on n'a pas encore fouillés. Tiens, ici, on n'a pas été, tiens, là. Ah si, moi, je viens de là, j'y avais été tout à l'heure. Ok, alors, attendez, est-ce que, du coup, je suis perdu, hein. Donc là-haut, là où on n'a pas été, regardez, il y a un truc qui montre qu'on n'a pas été, c'est le truc qui brille. Quand ça brille, c'est pas assez bon signe, c'est qu'on n'a pas fouillé. Ok, fragment de pierre de sang. Là, là c'est le lac qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on est ici, ok. Et ici, on n'est pas loin de la zone où il y a les ennemis, le boss du jeu. Je vais voir là-bas, je fais un petit tour, hein, les gars. Excusez-moi fortement. Toi, d'une moi. Ça, ça donne beaucoup de points d'XP, ça c'est bien ça. Voilà les gars, nice. Je vais me soigner en plus. Voilà, on nous aura pas eu cette fois-ci, c'est nous qu'on l'a eu avant. Ok. Bon, il faut que je retrouve où est le boss. Donc on a quasiment fouillé toute la forêt, hein. Je crois qu'il nous reste quoi, 5-6% là à fouiller. Donc là lui il y a rien à mon avis, il cache rien parce que bon, ouais non, lui il y a rien. Lui il y a rien, je sais où on est, où il y a rien. Ok, je reconnais le lieu. Et ici on peut passer maintenant. Et ici il y a des choses qu'on n'a pas pu prendre. Regardez en bas. Le boss il est en bas, ok c'est bon. On n'est pas loin du boss. Hein. Oh bordel. On aura plus que 19 fioles, hein, j'ai fait le con. Ah oui, ici on a fouillé. Ok, chien, on est où? Ça y est. On se reprend en main, nickel, les gars. Alors attendez, là je vais aller voir. Ah, en haut, il y a un truc à récupérer. Je vais aller récupérer, tiens. Comment on y va? C'est le mec qui est avare d'objets rares. Ok, je l'ai vu, le gros serpent derrière moi. Il me fait pas peur parce que je l'ai vu d'avance. Ah, c'est lui! Bon bah attendez, lui, je le gère facilement maintenant. Lui. Voilà. Il arrive plus trop à me faire des dégâts maintenant lui, hein, maintenant que j'ai trouvé l'astuce. Bon, les objets qu'on a oubliés, au pire on récupérera après, on aura le temps, non les gars. On aura le temps de fouiller après le boss. Hein. Déjà on affronte le boss, et c'est déjà beaucoup, hein, je trouve. C'est déjà pas mal.
Quand bien même que... Attendez. C'est vrai que c'est un labyrinthe ici, c'est incroyable, hein, les gars. Mais on a déjà été ici, c'est la mer luminescente de tout à l'heure. Oh, incroyable, je suis perdu, ça y est. Attendez, je vais ressortir vers le bas. Donc maintenant, il y a un cochon zombie qui est pas loin, dans les marécages. Je crois que c'est lui, il est là-bas, non? Donc c'est juste une ombre. Non, c'est une ombre. Ah, il est là, ok, je vois. Alors, dès qu'il arrive, je lui mets un gros coup d'épée dans sa bouche. Sauf que lui, il fait très 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 mal. Hein. Coucou, poteau. Vas-y, viens. Ah, le bâtard. Non. Il devrait pas me tuer, normalement, lui. Oh non, c'est moi qui devrais le tuer. Oh non. Il m'a piégé. Il m'a piégé, il m'a pris... En fait, il m'a pris de court. Clairement. Il m'a pris de court. Lol. Bon, bah, tant pis, hein. Tant pis, les gars. C'est triste. Tristesse. Bon, je pensais pas qu'il allait casser les couilles à ce point-là, le boss. Enfin, les semi-boss, plutôt. Parce que c'était même pas des boss, les petites créatures, là. Les semi-boss comme ça, là. Je pensais pas qu'il allait, à ce point-là, me péter les bulles, là. Bon, du coup, les amis, on va prendre le double raccourci. Sinon, il y a deux raccourcis. Voilà, il y a deux raccourcis à prendre. Il y en a un là. Attendez, c'est quoi ça? Ah, c'est une roue qui est une roue d'or. Attendez. Oh, ok, je crois que c'était une roue à casser. Ok, bon, bah, on va prendre les deux raccourcis, hein, les gars. Pas croyable ça. Non, mais bordel. La tristesse. C'est la tristesse vraiment de ouf là. C'est la sur-tristesse, je dirais. Allez, on va reprendre ce raccourci juste incroyable. Alors, hop, est-ce que j'ai reçu des messages entre temps? Non, ça m'a l'air d'être une parfait. Écoutez, j'ai pas reçu de messages entre temps. Ok, bon, les amis, on est reparti. Allez, allons-y, let's go. Hop. On est parti. Opération double raccourci. Et pour ceci, il faut que j'aille ici. Voilà. Il faut que je passe par là-bas pour le raccourci, le deuxième raccourci. Hop, on est obligé de le tuer à chaque fois, du coup, je pense. Et le second raccourci, du coup, il est ici. C'est bien parce que maintenant, je sais où sont les raccourcis et tout, donc ça va aller plus vite pour avancer. Voilà, il faut aller vers là-bas. Voilà. Au moins, on a deux raccourcis maintenant. On peut aller droit dans la forêt où il y a les serpents et les extraterrestres. Hop. En vrai, j'aime bien Bloodborne, le jeu. Au début, je rageais beaucoup sur le jeu, mais non, même si je meurs ou quoi, ça me dérange pas plus que ça. Je me dis, voilà, bon, même si vous voyez recommencer, etc., vous doutez que de toute façon, si je meurs beaucoup trop de fois, je vais vouloir farm derrière. J'ai mis 16h30 pour Zelda Majora's Mask, mais j'ai essayé au moins d'affronter une ou deux fois le boss. Ce serait cool quand même. Tout le monde allait faire du Zelda. Alors, attendez, est-ce qu'il y a lui là? Faut qu'on l'esquive. Voilà, bon, j'ai pris un peu de dégâts, c'est pas grave. Ok, on est derrière lui, nickel. On va pouvoir le tuer. On va pouvoir le tuer. Ça, c'est trop cool. Hop. Hush. Hush. Allez, faut qu'on tue. Ma manette, elle a plus de batterie à ce moment-là, comme par hasard. C'est incroyable. Vous avez vu, ma manette, elle dit, vous n'avez plus beaucoup de batterie, monsieur. Allez, c'est pas grave qu'on a 17 000 et qu'on va les perdre. Ça, c'est pas très grave. Le plus important, c'est de battre le boss. Donc, le boss, il est par là. Ok, on va esquiver tous ces ennemis-là. Et le boss, il est à gauche. Merde, attendez. Oh merde. Lui, il a bugué là où il m'attend. Ok, j'ai bien fait. J'ai bien fait pour pas venir ici. Oh, il a pas pu m'avoir. J'ai eu. Je t'ai eu avant, mon petit cochonnet. Diantre, un chutemi. Oh, coucou, mon cher Blanco.
Oh, coucou mon cher Blanco, beaucoup de love à toi, comment ça va? Comment se passe ta semaine? Comment se passe ta semaine de boulot, Blanco? Ça fait plaisir de te voir, vraiment, beaucoup, beaucoup plaisir de te voir même. J'ai peu l'occasion de te croiser en ce moment et quand je te vois, je suis content. Donc, donnez beaucoup de love à Blanco, les amis. Et oui, merci pour le SO, évidemment. Je sais pas quand tu vas restream d'ailleurs, Blanco, n'hésite pas à nous le dire. Si tu refais un live prochainement, n'hésite pas à nous faire savoir. Donc, toi, n'hésitez pas à aller le voir en attendant, quand il fait des lives, il fait. Du PS1 challenge, pâle, je sais qu'il a moins de temps pour en faire en ce moment. Semaine de taf, le soir je m'occupe de la petite, pas le temps de faire grand chose du coup, bah ouais, je me doute. Donc c'est pour ça de donner beaucoup de soutien à Blanco, les amis. Il a. Normalement j'aurai live aujourd'hui, mais bon, on sera du coup pour demain, c'est ça. Bah si tu live demain, avec plaisir, Blanco. On a trouvé un autre raccourci, les gars, c'est bon. Coup ma team game, c'est Diemsax le bro. Ah, oh, mais merci, Matt, pour le SO à Blanco. N'hésitez pas à aller voir Blanco, évidemment, quand il y a du temps de libre, Blanco il fait des lives. Aujourd'hui, j'aurais vu que mes modos. Ah, si, Eric était venu en début de live. J'aurais vu sur la chaîne que les modos, du coup. C'est rare que les modos qui sont juste là. Mais ça fait plaisir de vous voir, les amis, vraiment. Vous savez. Moi, vous pouvez être 1 ou 10, c'est comme ça. Bon, après, je suis toujours triste quand on n'est pas beaucoup, mais c'est comme tout le monde. Hein. Tout le monde est triste quand on n'est pas beaucoup. Mais bon, il y a rien de mal. Moi, au contraire, je continue mon live 26h avec à 3 ou à 2 ou à 1. Bon, du coup, les amis, je vais me. Non. Il a rien compris. Le personnage n'a rien compris. C'est quelle flèche je voulais faire? Non, c'est pas ça. T'es con. Voilà, c'est ça. Alors, je peux mettre du papier de feu. Ah, attendez. Hop, ok. Alors, attendez, on va essayer de faire une technique. Ok, celle-ci. Voilà. Ok. On va faire un compète, une compète de modo. Mais non, faut même pas. Ah, faut que je m'occupe de Monsieur l'Enflamme peut-être en premier. Du Pyro là. Du X-Men Pyro. Ça va avec vous? Moi en tout cas ça va bien en Blanco d'ailleurs. Moi ça va super bien. Moi j'ai eu beaucoup de soucis cette semaine, IRL, plein de trop de soucis. Mais bon là je me rattrape ce week-end. Enfin, sur les lives. Du coup je vais live samedi et dimanche. Non, demain je voulais pas live, mais comme j'ai pas live mardi et vendredi, ben, je vais live demain. Donc, voilà. Je me rattrape. Non, 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 je suis dégoûté. J'ai fait nimp, j'ai fait le débile, je voulais être trop vieux. En fait, je me suis dit les boss sont faciles, allez, j'enchaîne et je suis mort. Ah, je suis dégoûté. Je suis grave dégoûté parce que c'est pas comme ça que je voulais faire le truc. Ah, j'aurais pu les battre facilement. Ils sont pas durs les boss, hein, je vous le dis, j'aurais bien voulu les battre aujourd'hui, quoi. Puis ils sont pas durs du tout à battre en plus. Ça se voit qu'ils sont faciles. Enfin, ils sont faciles, ils sont pas trop durs. Bon, du coup, attendez, est-ce que là, il y a trop de raccourcis à la fois, là, c'est compliqué, attendez. Il y a trop de raccourcis. Quel chemin je dois prendre? Bah ça va le bro. Les modos olympiques. Ah, une nouvelle emote de DV, je la connaissais pas celle-là, c'est une nouvelle? Il a fait une nouvelle emote de DV? Ah, je savais pas, tu vois. Tu m'apprends un truc. Je sais pas que DV avait. Attends, mais je l'ai alors du coup. Ah, c'est la tier 2, la tier 3. Bah non, oui, je l'ai, ah oui. Hop. Eh, pas mal celle-là. Peut-être que je vais en faire aussi une rip. En Rainman ou en Ratchet. Et je la mettrai de côté comme ça quand on aura plus d'emplacements pour les subs à un moment donné dans la vie. Si on en a plusieurs un jour, je pourrais rajouter des emotes Ratchet, Rainman ou du Don Alex. Qui resteront tous les trois dans le thème de la chaîne comme ça. Tu sais, parce qu'au moins en 2021, on sait qu'on a un Ratchet à faire, c'est celui de la PS4, de la PS5, donc on pourra se faire plaisir. C'est cool qu'ils ressortent des nouveaux Ratchet, vraiment. Je pensais pas qu'ils allaient en refaire un nouveau un jour. Là, je vois sur PS5 Ratchet et Clank, je fais ah bah nickel. Hop. Ah bon, il y a un nouveau qui va sortir, ouais. Nouveau Ratchet, James Sax. Alors, du coup, il y a un raccourci, il est vers le bas, hein, c'est ça. Et après, on arrive au boss. Ouais, il y a un nouveau qui va sortir début 2021, je crois, comme ça. Donc, c'est cool, au moins, il y en a un peu plus à faire sur la chaîne. Donc c'est bien, il faut que la PS5 déjà. Le jour où j'achèterai la PS5, on ira se faire du coup la nouvelle Ratchet. Ah cool, bah grave. Moi je suis content. Plaisir, il y a du Ratchet en plus à en faire, moi je le fais. Puis je les découvrirai avec vous, celui-là, je les ai quasiment tous ceux, sauf le nouveau là que je vous parle là. Ouais, ça va faire du contenu, grave. Et du contenu qui m'intéresse en plus, pas du contenu que j'ai fait. Je sais qu'il y a encore mieux. Ok, on est au boss. On est déjà revenu au boss. J'ai dit le boss il est pas loin. Le boss il est vraiment à côté. Ok, go le boss.
Ok, donc c'est bien qu'on ait découvert tous les raccourcis de la map, du coup. Parce que du coup, là, on n'a plus grand chose à faire à part affronter le boss. Ça va très bien de combattre aujourd'hui le boss, je suis content. Moi, on aura bien avancé sur le jeu. Par contre, quand on arrivera à un boss particulier, je sais de quel boss je parle, hein, parce que je connais le jeu. Quand on arrivera au boss que je pense en particulier, on ira en farm déjà. Et après ce boss, il sera possible qu'on fasse un peu moins de bloodborne. Voilà, je vous le dis. Après, on a annoncé maintenant et que vous soyez au courant. Allez, venez, les trois frères jumeaux là. Hush! Oh, bah ça fait mal! Allez, si je vais en tuer un autre. Hop! Oh, bah ça fait mal! Incroyable! Oh, ils sont prêts pour qui les trois frères là? Hop! Allez, viens-les, les trois frères! Je sais qu'ils avaient battu au bout de 10 ou 15 fois, je crois. Et pour moi, c'était pas beaucoup à l'époque. Parce qu'à l'époque, il fallait que mourir dans le jeu. Ok, il faut que je le tue lui. Ok, il a perdu la moitié de sa vie, il va commencer à se transformer, je crois. Ok, bon. On va prendre le risque. On va en utiliser un, je prends le risque. Ah, ça fait quand même des dégâts en plus. Mais bon, pas ouf, ouf, mais ça en fait quand même. Hush! Moi, si on peut mettre les 3 à moitié de vie, ce serait cool avant qu'ils se transforment. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Au moins, après derrière, on a moins de complications pour les tuer. Dès qu'ils se transforment, par contre, en bête mythique, là, on est dans la merde. Dès qu'ils commencent à se transformer, on est foutu, les gars. Donc, profitons-en là, qu'ils sont encore dans une forme humaine, normale. Ah, ça y est, ils deviennent des bêtes mythiques. Ah, il faut les tuer vite. À partir maintenant, ça va être la merde, hein, les gars. Oh là là, oh là là! Ah oui, ils font trop mal. Ah, ça va être trop chaud, les gars. Faut que je redémarre mon PC, mais pas de soucis, mon cher Matin Games. À de suite. Ne t'en fais pas. Ah, il y en a un des deux qui est mort, nickel. Ok, go se cacher. Go. On va essayer d'en tuer un deuxième. Donc, celui à l'épée. Hein, vous vous doutez. C'est lui qui a le moins de vie. Ok, il est mort. Celui avec du feu. Ah, pour vrai, il a évolué encore. Ok, il a encore évolué. Ok. À partir de maintenant, il est venu une forme légendaire. Donc, ok. Donc là, ça va être très dur. Ce serait celui des trois que j'aurais dû tuer en premier. Ce serait celui avec le feu, hein, je pense. Non, vite, cache-toi. Là, il nous a envoyé ce serpent. Ok. Voilà, il faut combattre les trois frères jumeaux. Hein. Surtout que c'est pas un boss super dur en fait. Vous voyez, c'est vraiment le boss, c'est pas si dur que ça. Ok, je prends mon temps, faut pas se presser. Oui, on a eu le boss. Il était pas dur en fait le boss, je savais qu'il était pas si dur que ça. Oh, on a battu un nouveau boss aujourd'hui. Yes, on a battu les frères jumeaux. Oh, GG. Beaucoup de love, le jeu, j'ai battu les frères jumeaux. Ça y est, une nouvelle lanterne. Ah, ça fait du bien de battre un boss. À chaque fois que je bats un boss, je suis content. Tiens, je suis bon en level en plus, je pense. Je serais très bon au level. Il faut que je monte level 55-60, ce serait encore mieux. Oh, merci pour les GG, James Sachs. Merci à toi. Oh, yes. Ah, je suis trop content. J'ai battu les frères jumeaux encore plus vite que la première fois que je les avais affrontés. En 2 essais, en 3 essais. C'est cool. Ah, GG. GG à moi, hein, du coup, mais merci les amis. Bon, bah du coup, attendez, est-ce que là, du coup, on va explorer à peu près tous les endroits. C'est le métier qui rentre, exactement, je commence à gérer le jeu, ça y est. Bon. Hop. Ok. Oh. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ok. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Je sais on est où? J'ai reconnu le lieu. Ça y est. C'était à l'endroit que je vous parlais tout à l'heure, mais on y est déjà. Ce fameux boss qu'on va affronter, qu'après tout va changer dans le jeu, donc c'est là qu'on va devoir faire des.
On fera moins de likes dessus. Il ne reste plus que 3 boss avant le boss final, hein, je crois. Il reste 3 boss encore. Hein. Ouais, il est pas si long que ça, le jeu. Enfin, 3 boss. Il reste 3 boss principaux. Après, il y a des boss secondaires. Là, voilà, on va aller faire les boss secondaires à partir de maintenant. On va aller faire la ville fantôme, machin, là, qu'on a vu. Là, il y a encore cet endroit-là aussi. Là, c'est vers la fin. Et puis, nous, on va aller faire ici, la prochaine fois. Les viols hypothéennes. Mais alors, du coup, nous, on va déjà monter des levels. Donc, 2, normalement. Alors, compétences 13. Ah, il faut 22 000 après. On va essayer de gagner 22 000, alors. C'est bon, on a passé, là. On a passé. Si, on a assez. Alors, on monte la force, 124. Donc, on montrera l'endurance, au pire. Voilà, nickel. On est level 54, bien. On va essayer de monter le level 60 minimum. Ce serait pas mal, le level 60 pour le prochain boss. Fortifier l'arme. Donc là, normalement, on peut pas fortifier l'arme. Réparer les armes, bien sûr, évidemment. L'arme sacrée de Lunwig. Ça, c'est quoi, ça? Ah oui, fortification avec le jeu sanglant, ok. Très bien. Très bien. Il y a quoi dans cette fenêtre? Tiens, j'ai pas été voir encore. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais... Attendez. C'est quoi, ça? C'est un autre magasin? Attendez. Ah, les... Voilà, c'est la lucidité, les... Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais... Je vous parlais de... Des yeux, là. Je disais, c'est quoi, des points d'ésotérisme, etc. Non, c'est les points de lucidité. Ok, papier de feu. Ah, ok, d'accord, 3 papiers de feu. Il n'en reste plus que 3, déjà. Ok. On les a pas ces tenues. Alors, attends, toute la tenue cendrée, Henrik, couvre-chef Lougris et Gascon, est-ce qu'on les a déjà ou pas? On va voir si on n'achète pas en double, en fait. Ça, si on les a pas, nickel. Au moins, on sait quoi acheter. Ok, c'est des tenues qu'on n'a pas encore achetées. Bah, du coup, attendez. Nickel. On n'en a aucune. On va pouvoir acheter plein de tenues encore. On va acheter ça, hein. Alors, les plus chers en premier, évidemment. Hop. 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 Ensuite. Hop. 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 4. 3. Et on va acheter, bien sûr, évidemment. Des papiers de feu, on a acheté 1. Voilà, nickel, les gars. Nickel. Y'a quoi dans la boutique? Est-ce qu'il y a de nouveaux objets à acheter? Non, y'a pas l'air d'avoir des nouvelles armes. Non, y'a rien. Un petit coucou, je file des bisous. Mais coucou de passage, Abo, beaucoup de love à toi. J'espère que tu vas toujours bien. Et puis, bah, à plus tard, du coup. Bon coucou à toi, du coup, j'espère que tu vas bien. Donc du coup, on va aller sur... on va aller sur quoi? On va arrêter là, hein. On va arrêter là, les gars. Parce que là, du coup, on a... Bonjour, au revoir, Abo. Elle est rapide, je pense qu'elle est occupée cet après-midi, Abo. Elle vient de faire un petit coucou, parce que voilà, parce que ça était en live. Donc elle doit être occupée. Donc du coup, les amis, on va aller sur Zelda, vachement et Dieu. On va sur Zelda, les amis. On va aller faire un peu de Zelda Majora Mask. Donc là, il va falloir combien? Requis 17 000 maintenant. Ok, 17 000 et 400. Ok. Il faut qu'on monte level 60, hein, pour aller dans... On va essayer de farmer la prochaine fois. On va faire le prochain lieu au level 60. Donc là, je vois, on ira ici, on ira faire les geôles hypothéennes. Hypogène, voilà. On ira ici. Quoique, attendez. Attendez, je réfléchis. Bon, je cherche un endroit particulier dans ma tête, mais je sais pas si on peut le faire maintenant ou pas. Il y a un boss, je sais qu'on peut affronter aussi, là, mais je sais pas si c'est trop tôt ou pas. Attendez, je vais vendre un objet, tiens, je vais vendre une balle. Hop. Pour que ça sauvegarde. Voilà. Bon, allez, on quitte le jeu. Je vais préparer Zelda Majora's Mask.
Ouais, sur The Legend of Zelda, Majora's Mask, les amis. Et puis on quitte Bloodborne. Mais j'espère que ça vous a plu cette session de Bloodborne. Elle est vraiment cool. Hein. Donc la semaine prochaine, du coup, on ira se faire deux sessions Bloodborne, les gars. On va se faire deux petites sessions sur Bloodborne. On ira se faire une session sur. La geôle hypogéenne là, et puis on ira farmer en même temps level 60, 65. Pour être quand même haut level pour les prochaines aventures. Alors, du coup, je vais préparer Zelda. Donc, si tu veux changer de catégorie, si quelqu'un veut changer de catégorie, au moins la catégorie, c'est cool. De mettre The Legend of Zelda 2. Majora's Mask. Et après, j'ai changé le titre, ne vous inquiétez pas. Je vais préparer Zelda et puis ben on est bon, hein, on y va. Hein. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire du Bloodborne aujourd'hui. Parce qu'on a bien avancé. Vraiment, que des points positifs sur Bloodborne. Hop. Hop. Ok. Moi, je pense qu'elle vole à la piscine. pour qu'elle puisse pas beaucoup répondre de l'après-midi, je pense qu'elle est en train de nager depuis tout à l'heure. Il doit faire chaud là où elle est et elle est en train de nager, je pense. Là, bon. C'est mon avis. Hein. Après, je sais pas si c'était pas le bon avis, mais je pense que oui. J'en ai déduit que ça. Bon. Du coup, on fait ici paramètres, quitter la partie. Hop. Et on démarre The Legend of Zelda Majora's Mask. Alors, attendez, en même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre ma play. Je vais juste remettre la TCP. Comme ça, moi, ça me permet moi aussi d'enchaîner directement derrière quand je rallume ma console avec ce qu'il faut. Ou alors, peut-être. Non, on va être sur Zelda, je pense. Je réfléchis. C'est quoi? Attendez, je démarre Zelda. Mais je vais faire un poll. Il y a un autre jeu que je voudrais faire hors Zelda.